Oi, retrouvez-nous sur Légendes urbaines avec Juliette, RFI, France 24. Aïe, aïe, aïe. Yé, Conté, on t'a salaka à Réunion. Acte, regarde, salaki à boycotter, minute à silence. Abé Jacques Ganga, Abé Ngwabi, avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Ma Georgia, Berto. Zela mokonzi ezali anima Basi basu mouti bako tuta mabuku Wenga titi neza kondanable Konga ma motema ya mabe, repentez-vous car le roi le roi Konga mabe konga Nasangi moto ko ya kabelanga ta esengo
Dimanche à l'élo, nous on a dit pembe, on a bien monté ma pembe. Mais là, tu es moins jaune le colot. T'es maintenant, on t'a la. On a dit, on a dit, la caméra. Là, oui, oui. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à la question de Nyoso dimanche à l'élo? Oui, sauf que dans des bateaux, quand c'est la tête, quoi. Je ne sais pas si tu as cancellé, mais tu as dit que 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 tu as dit que
agressivité na lobalo parce que mimi na tinde justice en Zambie sala. Justice en Zambie sala, ça dit de l'eau to loba to type na justice en Zambie. Normalement. Voilà. Je sais que tu peux tout que maman droit. Ouais. C'est-à-dire que celui qui a tiré le penalty ballon pour tout vite tirer à tout le monde. Ok. Quand on a quitté au Vani Nayamba Kyo, à vos hommes, la culture a payé. On a quitté au Vani. Nazon est déjà. À vos hommes, Nayamba Kyo. Ouais. Vous savez, c'est la réalité, nous sommes comme la Kyo. Ouais. À vos hommes. Lélo. Position na yo na culture pays vie eza dengeni. Je sais que tu peux oser faire partir na culture pays vie ya Félix Oise quoi. Tolelo toloba olongwe lisusu. Bon merci pour la question. Les questions m'aura bien. Nabi ki monde entier bazolandanga surtout bana Brazzaville ba bien nga trop. Maître Christian a carapé à tout me dit ma solo même gazo landa biso na maître bienvenue faso voilà donc na kitra pays vie nazate donc longwe babengani nga babengani ngai et pas ya monstre d'amour abengani ngai na kitra pays vie ça dit abengani biso. Non, internet. Internet, oui. Comme nous disons à Baudry. Baudry. Voilà. Ok. Donc, il y a des zones. Mais, bisomis à tout. Non, nous, basons si bisoté. Voilà. Babengani bino. Voilà. La raison ni yo yo. Babengani bino. Babengani bisona ba. Parce que, il y a qui n'a. Ba voice moko. Oui, le makana groupe na biso ya orchestre. Parce que. Ils ont un groupe WhatsApp. Ils ont un groupe dans WhatsApp. Groupe na biso WhatsApp tout ça là. Moi pour tous les news, concert au Beta Mawapi. Pour là t'endégeni ni Makambutu. Tout ça la clip boy tout ça. Pour tous les informations. Mais tout ça le rappel moi bah humour na biso. Tout solo la ga. Tout ces canards endégeni zalaga. Biso tout bah danser. Qu'est-ce que c'est mobile et compris dans ta bureau. Ma directeur Senghor bah. Maître Rick Bila, tout le voisin d'orchestre. Bon, attaqué Naza doyen, ou Nazali trône qui tira pays vie, ou Mokile Ebi, ton Nayaki, le problème, il y a petit haut voisin en mouvement, mais il y a des amis qui parlent parce que juste ton Nayaki a oublié la guité. Je suis très comme doyen, je suis un certain player. Le problème est que je suis venu à Botala Makamboy, Botala Makamboy, Botala Makamboy. Je suis venu à Botala Makamboy. Donc, Naza responsable, père de 5 enfants. Donc, Nazo mon Nazo travaille dans les camps. Nazo travaille. Mais Nazo comme mela kaka, Nazo mela parce que faut que solana vie, Nazo solana vie. La sengai à 3 reprises. Tu l'as un salaire nanga, et permettanga. Et qui n'arrive pas nanga ou esungarba nanga baliak. Salut Tolba, tout est malem. Au long de culture pays comme elle est. Balamora. Oh, il bosse na oh. La cassette. Deux fois. Et il y a des bosses au pays. Obana fout à maté. Oui. Oh, ami balé pe. Ozo fout à maté. Quand on a voulu bosser, nous avons manqué 6 mois. Nous avons manqué 6 mois parce que on a côté qui tira pays vie dans 17 ans.
maman a bouqué. Nous allons en apposer d'abord et pour moi. La salle où nous voyons ça, la qui tira PIV. La petite bakri au mouki le yebi batabi na rati lelo. Na elle sous son âge dans sa trembla. La bini si batu. Na elle batu. Ba maman balougou ba salabi langa na clipo et pessière. Ton a zongi, et l'on a sengé non yangwana. Yosa petit nanga, zala calme, mini zala. Et ça, na sengi bon mengo ya viete. C'est mon vieux. Na sengi bon mengo nete, na sengi pe o ya yete, ma kam na ete. Tu sais, ba doua na biso kaka. Parce que ton a yon kouta, orkese. Na kouta orkese, ta mouvement dans aza veikila dati. Mais yon quand même, vous avez la chance, ton a zongi, voisé ka soumbe le moutouka. Te na yon mbongo nanga. Ah, na yina mbongo. Ah, au bosani. Je te jure. J'ai ça. Deuxième minute du combat, son corps acquise la fatigue. Aussitôt l'arbitre arrêta le combat par chaos technique. Champion Menzambi, seul contre tous. Jean de Dieu et Bonzo. Mbongé, 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 mbongé. Mbongé, sibisa, masoua. Mbongé, sibisa, papato. Mbongé, limouisa, mbongé. JPS Production. L'arbre des artistes. C'est l'os à Médi, je m'appelle la Congolaise. Polino, la cause la parrainage. Polino, la cause la lèvre. Et qui te la mandelle est si dégue. Bakoya, Bakoya, la main message à JPS. Production, Bakoza l'accompagné, la banque qui t'aime. Enchanté, on a tout révélé pour toi, y'a mariage. En poulet, bon, y'a bougé la maillot. Maillot, et l'enfant est sous canazango. J'ai mis Capitou Asali Binonino Jean-Claude Mambouli Samedia Lelana Papa Philippe Matopeta Le ressuscité Matiwa Benantawu Kaele Chavemo Soussiye, soussiye Soussiye Binel Nanga Papa Isangwidalo Komanda Henri Isangwidalo Jerengaye Lelo toko bina nanganda lola bar Francis Somba Lopicha mufu mashe jifrile loa Bana mundele ngulu bana mumbele Wo lenga chenyar koseda Jambula richepe Yangwe te petit telema Jaki mongo benga javini Octavine na beya kisyan zambise ko banzayo Moto alona kanguba koma buka masango Eloka sa pepe fredo keko benga yango noarete Sentime poni la jete on voit magistera 10 Etablisse mama na inga merera de jikle Mobiluan makayama Mboke Na mire na generale yunge Hydro Trans Ramimi wa mika uka sawu Sikime na mire na Obi Kora Patikanya Milele migudile abdona yalema Mama Jaka si Migudile ivandi sanema Mama la sabi jandam Wenda uga gwena na komana ngayi sans espoir Zami choke marodo yenge Alo kingo ka yo Mawe ah Sonya mo Soli kombo Iya kato zala zala Gelo radam sampoye Gabe atembo kumbu yambe la sami manto Sede nga bolingo Vienda pe mombali alibinza Jise kanaida Ete kala moriale Na landi metode Gijo na se jiba aliete o Willy Bonamba Mais c'est
Effectivement, dans vos univers, vous savez qu'on est suivi dans le monde entier. Je suis venue vous voir, vous avez, comment on appelle ça? Vous avez votre propre lieu dans lequel il y a vos propres danseurs, vos musiciens, et vous vous entraînez. C'est de vos, alors c'est comme à la fois un lieu de répétition où vous bossez les musiques, les chorégraphies, etc. et où en même temps vous offrez des spectacles le dimanche et où en fait le peuple peut venir vous voir chanter, vous rencontrer, etc. Et en même temps il y a aussi un côté économique, c'est-à-dire que vous créez de tellement des équipes autour de vous. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent les gens disent waouh, les Congolais, les artistes congolais qui sont musiciens et qui jouent encore, qui utilisent encore des instruments et des danseurs, mais vous déplacez, vous êtes 20. Et en réalité, quand vous êtes à domicile, vous êtes bien plus. Donc vous créez une économie, vous nourrissez des familles. Exact. Comment, au-delà de cette. Comme tu dis, ça va au-delà de la chanson. C'est aussi de la musique, c'est aussi des danseurs. C'est des, comment on dit, des ambianceurs aussi qui sont là. Ça vient d'où ça? Ça a toujours existé dans la rumba, ça? Oui, ça nous a été légué. Cette culture, c'est-à-dire nous, bien avant qu'on soit artistes et musiciens, il y a eu des artistes qui avaient des groupes. Par exemple, je prends l'exemple des Taboulei Franco. Franco se déplaçait avec plus de 30 personnes. Parce que nous, on joue du live, c'est-à-dire qu'il y a des guitaristes, des clavéristes, il y a des choristes, il y a des danseurs, des danseuses. Il y a des percussionnistes. Il y a des percussionnistes, voilà. Aujourd'hui, nous, on, en tant que Congolais, on fait la musique comme on dit, comme on l'appelle souvent,
chez nous, la musique typique. C'est-à-dire que la musique congolaise typique nécessite beaucoup de gens sur scène et nécessite... En fait, chacun joue son rôle. Voilà, un endroit de répétition. Par exemple, moi, j'y répète. Juste à côté, j'ai mon studio. Roga aussi, pareil, je pense. Et donc, voilà, on a plusieurs personnes qui viennent demander du travail, qui viennent passer des tests pour pouvoir adhérer dans le groupe. Et puis voilà, nous aussi on a commencé comme ça. Nous à l'époque, nous quand on a commencé la musique, il n'y avait pas de studio à chaque coin de la rue. Hein. Il n'y avait même pas les smartphones pour faire. Il n'y avait même pas de micro, on avait chanté comme ça. Et c'était des micros virtuels. Tu vois, c'est-à-dire qu'on chantait comme ça et ça dansait. Nous par exemple, moi, et on répétait tous les jours de 8h à 13h pendant la période des vacances, bien sûr, de 8h à 13h. Et on allait se reposer, échanger, tout ça. On revenait de 18h à 22h, tous les jours. Et voilà, c'est pour ça. C'est d'ailleurs, c'est de là où vient notre, un peu l'amour de la musique. Parce que moi, avant tout, la musique, je la fais par passion. On a commencé à faire la musique parce qu'on aimait la musique. Pas pour, même dans mes rêves les plus fous, je ne m'imaginais pas faire des concerts à Bercy, à Abidjan. Non, moi, je voulais juste être connu à Bandal, ma commune, et à Kinshasa, c'est tout. Et après, voilà. Et comme ça, c'est le rêve de beaucoup d'artistes, d'ailleurs. L'homme propose, Dieu dispose. Ouais. Vous étiez tous les deux dans la même ville. Et j'ai pas pu m'empêcher de vous réunir justement à l'occasion de cet événement, justement, par rapport à la rumba. Mais pas seulement, parce que c'était important de vous retrouver tous les deux, oui, mais ensemble. Fally, mais c'est tous les Fally, jours. Mais Fally, en plus, est passé à ton concert, oui. Justement, mais... à l'hôtel Blanc, ça me dit. Il y a des gens qui pensent que, bon, ils ont peut-être, ils m'ont pas connu. Hein. Fally, je connais très longtemps. Et puis, moi, je me disais toujours, parce que c'est pas parce qu'il est là, hein. Moi, je me disais toujours qu'il va aller très loin. Parce que j'ai eu la chance d'être invité au concert de notre grand frère Kofi Olomide à Bercy. Et quand je suis venu, j'étais plus avec Fally, plus CNN. Mais je le voyais, il était plus accro dans la musique. Dans le temps, il y avait des écouteurs qu'on appelait Walkman, comme ça. Et lui, il écoutait à chaque fois la musique. Bon, moi, à la base, je suis guitariste, tu vois. Et les guitaristes et les instrumentistes, c'est eux qui écoutent la musique. C'est rare de voir des chanteurs qui vraiment... Qui... Science. Exactement. Mais lui, il écoutait déjà la musique. Et puis, quelle musique ? De l'Okwakan. Alors moi, j'ai connu l'Okwa il y a très longtemps, mais c'était... En fait, la musique de l'Okwa, c'était chez les connaisseurs de la musique, les gens qui... Ouais. Tu vois, un peu. Et lui, il écoutait déjà l'Okwakan. Je disais déjà que il va évoluer, c'est obligatoire. Quelqu'un qui aime une chose, il y a toujours les esprits de l'au-delà qui inspirent. Qui le fait avec afin qu'il puisse travail. Atteindre son apogée. Oui. Donc, lui, c'est tous les jours qu'on se parle. Il lui produit des conseils. Moi aussi, je lui produis des conseils. La meilleure des choses, que notre musique puisse aller de l'avant. Et puis, c'est ça la base. C'est ça la meilleure. L'amour. La meilleure des choses. Voilà. Mais tu sais que c'est un très, très grand guitariste parce qu'il y a beaucoup de la génération. Il y a des jeunes, il y a la nouvelle génération ignore le Roga Roga guitariste. Parce qu'à la base, c'est comme je viens de le dire, c'est un guitariste à la base. Un guitariste, comme on dit chez nous, soliste. Exact. C'est-à-dire un très, très... C'est-à-dire que, bon, c'est pas parce que... Bon, je vais essayer de le titiller un peu. C'est-à-dire que le Roga Roga guitariste est genre... C'est-à-dire que genre 100% tueur. Mais c'est un technicien, Roga, c'est un truc... Le Roga Roga guitariste... Totona qui a bien se tenir. Ça dit le Roga Roga guitariste tue le Roga Roga chanteur. C'est un sorcier de la guitare, Roga, avant tout. Je vous conseille d'aller revisiter les albums d'Extra Musica. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, c'est des gens qui ont fait une très, très grosse carrière. Des gens qui nous ont donné envie de danser. À l'époque, c'était parmi les groupes des jeunes qui ont envahi Kinshasa. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait les Wenge, il y avait les Aiko, il y avait des Papa Wemba, il y avait des artistes très, très talentueux, mais ils ont réussi à pénétrer le marché congolais. Ils ont fait un concert à la télévision à l'époque. C'était,
c'est des grands messieurs. Ouais. Voilà, merci. Pour musique. Ouais. Et vous l'êtes toujours, messieurs. Toujours. Les grands messieurs, toujours. Moi, je vous remercie. Vous voyez, vous écoutez Twink, Dig, Dig, Twink, beaucoup. Même. Faites-moi un truc, d'un truc, les gars. 25 ans de carrière. 27 ans. Après 27 ans de carrière, ils balancent des tubes. Tu vois, c'est pas donné à... Faites-moi un titre, là, un truc, là, un petit a cappella, s'il vous plaît, pardon. Tu danses? Non, je vais casser la chanson carrément si je danse, c'est ridicule. Une petite vibe, s'il vous plaît, les fous. Nako koufa pona yo Juliette Naviso. Tana la passe à Bolingo. Juliette Ferré. Tana la voile à la moulou. Tana la komi pene. Yali wala koufa pamba Bolingo. Nako fufa bona yo Juliette Ferré. Kala nana passe à Bolingo. Kala nana boile à la moulou. Kala nana komi pene. Yaluana kufa pamba. Il te fait un Congolais, hein? Non, je vous aime, les mecs. Ça y est, je mettrai avec un Congolais, d'accord? J'ai changé d'avis. Après l'émission, j'ai changé d'avis. Merci, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada.
autre monde. Ouais. C'est un autre toi. Et c'est vrai que quand on est maman, je pense qu'on a ses responsabilités. Toi, tu les as toujours prises quelque part, parce que dans ton dernier album, dans Train de vie, on te retrouve donc en feat avec ZKR Soprano. Il y a un titre qui m'a marqué, celui sur les pervers narcissiques, mais t'as toujours alerté en fait, telle une sœur, donc là peut-être que tu dois le faire comme une maman aujourd'hui, mais t'as toujours alerté sur les dangers. Dans l'ancien album, il y avait Première fois avec Alonso, tu parlais des femmes battues. Est-ce que ça sont des sujets qui sont important pour toi, et est-ce que c'est un fils que tu as, c'est un petit garçon. Est-ce que tu vas aussi le sensibiliser, ton enfant, quand il sera plus grand? Oui, comme sur, justement, parce qu'on dit souvent qu'en fait les hommes, quand ils font des bavures aux femmes, c'est aussi parce que leur maman leur a pas forcément donné toujours les bonnes clés. Pas bien éduqué. Enfin, nous on est très méchantes, on va directement vers la mère, on dit c'est ta mère qui t'a mal éduqué. En fait, non, tu sais, des fois, l'éducation, ça veut rien dire. Bien sûr, et puis ça peut être voilà, des travers personnels. Non, parce que le garçon, devant sa maman, il va être tout calme. Il va pas dire à sa mère qu'il t'a fait un truc de ouf ou quoi, tu vois. Et il veut pas que tu balances, en plus. Ouais. La plupart du temps, ils veulent pas que tu balances. Mais moi, mon fils, je veux vraiment l'éduquer dans le respect de la femme. Je veux qu'il... Et c'est pour ça que je dis à mon mari, il va... Avec le temps, il verra comment tu me respectes. Il faudrait qu'il respecte sa femme de la même manière, tu vois. Et qu'il grandisse. Tu vois, nous, nos parents, à l'ancienne, ils avaient beaucoup de pudeur, tu vois. Tu les voyais jamais côte à côte. Tu te demandais s'ils ont déjà été amoureux. Tu te demandais même comment t'étais née. Ouais, mais c'est bizarre, ils se parlent pas. Est-ce que j'ai pas été adoptée? Non, mais c'est bizarre, ils se parlent presque jamais. Ouais. Ils se parlent que pour les courses, ils se parlent que, tu vois, beaucoup de pudeur, tu vois. Et moi, mon fils, après, c'est pas la même génération aussi, tu vois. Mais je veux qu'il voit que, voilà, ses parents, ils s'aiment et qu'il faut qu'il choisisse quelqu'un qui va aimer, qui va porter sur sa tête, tu vois, qui va la respecter et qu'il faut pas qu'il la lâche, même, tu sais, quand il y a des coups durs. Faut qu'il soit là, tout simplement. Et que sa femme, faut que ça soit qu'il l'aime autant que moi. C'était ma mère, je pense pas qu'elle aurait pu dire, je pense pas que ma mère aurait pu dire ça à mon frère, parce c'est que son magnifique. Fils, c'est sa vie. Mais oui, maintenant, moi, une fois que je connais, enfin, c'est quoi d'avoir un fils et d'être maman et d'être mariée et d'avoir des petits copains, tout ça. Non, faut que ta femme, tu la considères vraiment comme ta femme. C'est ta femme, tu vois, c'est elle qui va faire de toi un homme, qui va te donner une famille, qui va te donner des enfants. Et moi, ma mère, c'est mes yeux, tu vois. Mon père, c'était mes yeux aussi, pareil. Et bah, faut que le lien, enfin, tu vois, les liens de enfin, comment on dit, lien parenté. Ouais, le lien parenté. Faut qu'il soit fort. Bien sûr. Tu vois, quand tu vois que tes parents, ils s'aiment et que c'est tout. La famille, c'est un bel exemple, voilà. Aussi. Ça veut dire que tu peux pas aller dans l'optique de vouloir faire du mal à une femme. Moi, je pense que c'est comme ça, tu vois. Après, c'est ceux qui grandissent, tu sais, un peu éloignés de ça, vu qu'il y a beaucoup de pudeur chez nous, tu vois. Mais ça veut pas dire que, genre, on va être chelou chez nous, tu vois. Il y aura cette pudeur, mais vraiment, tu vois, lui montrer la voie et lui montrer que, voilà, quoi, si ça se passe bien dans le couple, la famille, c'est tout droit. Et lui montrer que c'est possible, en fait. C'est aussi de l'exemplarité, exactement. En fait, finalement. T'as beaucoup chanté sur justement c'est les femmes battues, là les pervers narcissiques. Est-ce que t'as déjà reçu des messages de jeunes filles que t'as réussi à sauver grâce à tes chansons? Oui, énormément de messages. Et ça a commencé vraiment à partir de Première fois. J'étais vraiment étonnée, genre j'étais choquée du nombre de personnes. Mais je me disais, mais ces personnes, elles arrivent à m'en parler, mais elles arrivent pas à sortir de ce problème, tu vois. Mais après, elles te disent, c'est bon, j'ai réussi. C'est dingue. Ça m'a donné de la force. Aujourd'hui, ma mère, elle est au courant. Aujourd'hui, je suis plus avec lui. Aujourd'hui, j'ai appelé la police. J'ai reçu plein de témoignages. Et franchement, ça m'a fait plaisir, mais ça m'a fait mal au cœur en même temps, tu vois, parce que elles ont toutes une histoire différente, mais elles vivent toutes la même chose au final. C'est fou. Hein. Ouais. Et c'est très répandu. Ouais. Et en même temps, la magie de la chanson, la magie de ton talent, c'est peut-être d'avoir été le déclencheur, en fait, et de permettre à ces femmes de sauver leur vie. Tu parles beaucoup, beaucoup d'amour? Oui, toujours. Est-ce que tu as envie de parler d'autres sujets? Moi, je peux parler de tout, mais que quand... De chanter sur d'autres sujets. Je chante un peu de tout, hein. Mais je suis une amoureuse de l'amour. Ouais, ça se voit. C'est ça. Je suis une amoureuse de l'amour, du coup, je pense que c'est mon point fort.
Et puis les filles, quand elles sont amoureuses, elles savent qu'il faut aller écouter Julien, tu vois. Ouais. Ou quand elles sont tristes, pour être in love de leur mec, il faut qu'elles aillent écouter Julien, tu vois. C'est vrai. Et ouais, mais moi, je peux chanter un peu de tout. Hein. Des fois, je... Alors regarde, tu peux chanter pour les personnes qui sont décédées. Mm-hmm. Ouais. Tu l'as fait sur Baba et tu l'as fait pour plusieurs reprises d'ailleurs. Je peux chanter, c'est pas que de l'amour. Hein. Regarde, première fois, c'est pas de l'amour, c'est de la délivrance. Enfin, de la. Je sais pas comment je pourrais expliquer ce truc-là. C'est vraiment. C'est un rapport fraternel en plus. Voilà, c'est mon frère qui s'en va là. Non, je peux m'adapter à tout. Mais mon point fort pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Ça marche plutôt bien pour toi, cette histoire d'amour là, pour le moment, donc c'est très très bien. Est-ce que tu as eu envie d'écrire pour d'autres personnes? Non, parce que moi-même déjà, pour avoir un truc vraiment, il faut toujours la vie d'abou. Mm-hmm. Du coup, si on doit écrire, tu vois, pour quelqu'un, ça sera à deux. Parce que j'ai toujours besoin de la vie d'abou, c'est très dur de... J'ai déjà essayé de travailler, tu sais, sans abou et tout. Ça a jamais abouti parce que je me dis il manque un truc. Tu vois, il manque l'opinion d'Abou, il manque le petit truc, lui, il va me dire non moi je t'aurais plutôt vu dire ça ou je t'aurais plutôt vu faire ça comme ça. Et c'est toujours ça qui a fait que ça a directement accroché moi et Abou, c'est qu'on a cette connexion dans l'écriture, dans tout. Et on pourrait écrire pour quelqu'un d'autre, mais pas je pourrais tu pas. Tu te sens pas écrire pour ça. Ouais. Je sais pas, je pense que ça donnerait petit pas la même chose. Petit à petit, on va voir, t'as le temps encore. Il est déjà l'heure de se quitter. Je rappelle que j'en suis flattée. Je te jure, ça passe super vite. Ça c'est nice, c'est que tu passes un bon moment. Je rappelle que ton album Train de Vie est disponible. Tu vas faire plein de dates de concert, notamment plein de grosses dates de concert. Plein quoi? De dates de concert. Non, c'était pas prévu pour l'instant. Non, t'inquiète même pas, t'as pas voulu lâcher le morceau, c'est pas grave. Moi, je sais, et non, je balance pas. C'est pas prévu pour l'instant, c'est mon équipe, comme d'hab, qui me met la pression. Ils ont prévu, hein. Ouais, c'est pas eux qui vont chanter sur scène. Tu vois, et comme elle disait Camille, c'est la confiance. C'est ta peur de quoi, je sais pas encore. Je trouverai peut-être de quoi j'ai peur un jour. Mais pour l'instant, j'ai peur. En Côte d'Ivoire, on dit c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison. Ouais. Et c'est psychologique. C'est psychologique, ouais, c'est ça. Hein. C'est le trac. Mm-hmm. Je panique. T'es très stressée avant de monter sur scène. Ouais, énormément. De fou. Et libération une fois que t'es sur scène. Et au bout de la troisième, quatrième musique. Ah ouais, pas avant. Ouais, la première, en fait, la première, c'est le truc test. Tu regardes si tout le monde est réceptif. Deuxième. Tu laisses un peu reposer ta voix pour pouvoir enchaîner la troisième. Et à la troisième, quand tu vois que c'est bon, ça y est, là, tu te lâches. Ouais, c'est technique. Hein. Et en même temps, c'est magnifique. Et en même temps, quelle émotion et quel kiff. Bah, moi, je t'attends sur scène. Et je t'attends sur scène sur un truc super lourd bientôt. Que j'ai pas le droit de dire, Sophia, vraiment. Sophia, j'ai pas réussi à lui faire dire. On a un rituel avant de se quitter dans l'émission, c'est de passer un message universel aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde. Ok. On est suivis vraiment sur tous les continents. Ouais, tu m'as dit tout à l'heure. RFI, France 24. Quel serait le message que tu voudrais passer aux gens comme ça? Bah déjà, merci de nous avoir regardés. Ouais. Merci. Et de nous avoir écoutés parce qu'on est aussi en radio. Ouais, super. Et pour ceux qui ont des rêves et des projets, accrochez-vous et ne faites pas attention à ce qu'il y a autour de vous. Foncez. Avancez. Ouais. Merci. Merci beaucoup. À vous. Imen, c'était un bonheur de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La famille, retrouvez la version longue et en intégralité de l'émission sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love Imen. Merci, bisous. Maria Okuri, mon capitaine, Et tu trouveras frappé.
de rond, c'est qu'on s'y diamant sous la bague. Un abo sanité, Suzy Kapia, Chinois Mbemba, Fabi Bassa Sala, les papas tout de Paris. Bossa Sali, j'ai mon pété, sans qu'à respecter ma règle, mon roi, non, mon bali, à tout ma tête, il est bossa, les salis, laissez passer. Un bon film, ma foute. Bossa Sali, j'ai mon pété, sans qu'à respecter ma règle, mon roi, non, mon bali, à tout ma tête, il est bossa, les salis, laissez passer. Oni kwenda kwa liya, miango mingi, molonsa rena tabe, mini mingi, zambe na semi langa yoro, ebelete, pesanga oye koki, na la vilanga, na yaba kobo kolo jino mine sero taba petizo, soki eti kombe azi probleme na zanga kotiza sote, zambe. Oh, 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 oh
Jacob, Okelo na Toronto. Sam Tintou, Bobomi Academia, malheureusement, bon, ce qui est fait est fait. Académie Koufi, après Academia. Sam Tintou, Akoma Kinani. Quand nous, après Academia, tu as dit que moi, vite. Pour Academia, vraiment, côté mon boulot, non, non, 2002-2003. Côté mon boulot, 2002-2003. Mais ça tombe, tu as dit qu'il y a 2001, on a après les bois à Longwe. Bourreau, tu as longwe, tu as des boussots. Les bois, tu as longwe, tu quartier latin, les bois à Longwe. Tu as dit que tu as dit que tu as persévéré. Tu as dit que 2003, les salis, tu as dit que tu as dit que mais tu as dit que quand même, tu as dit que tu as dit que pour m'équiper au Kangana, tu as dit que tu as 4 titres, tu as dit que disque en haut de combo en haut sexy chocolat après on a bon nom tabana au salon ma femme n'a la kenya n'a Ouganda la rétrité ma musicien à qui il va rejoindre dans la goma tout à l'heure tombé de tournée pas d'album et en 2007 n'a au bêta album moro non en 2009 n'a au bêta sacrifice. On a ce que ça faisait au moins 6 ans dans la Kinité, dans la zone Kin, la Bétiango, mais je comprenais que j'ai envie de Kinité. Ma chaîne est comment ébélé, ma journaliste a même poli, comment ébélé. Donc, c'est-à-dire, au sentier, je pense que non, beaucoup impolitesse, c'est comme. Anti-valeur comme ma valeur. Ce que j'ai battu, dans le temps, là, n'est donc, j'avais un peu du mal, dans la promotion, il y a l'album, on a tout ça. Mais il y a déjà qui est en 2009, il y a un peu de Angola, il y a un peu de un mois, il y a un peu 2010, il y a un deux mois, donc petit à petit, en 2012, il y a un peu de s'installer, type les logos, et puis il y a Black Bazar dans Modogo, il y a un écrivain à Congo-Brazzaville, Alain Mabankou, un très bel album, bon projet, mais sauf que. Je vais écrire un peu ma malhonnête. Oh. Ah, tu as une ambition. C'est-à-dire que mon abattoir malhonnête, tu fais le roi aller ma banque. Oh. Ah. À quoi ça bino bon à foutre ta binoté. Tu vois, on a sauté un peu de développement. On a sauté un peu de développement pour tout ça, là, on venait une émission. Émission, mon ami. Allez, ma banque. Je vais y songer. Peut-être qu'on va faire une émission spéciale. Allez, ma banque. Ah, ouais, ouais. Parce qu'avec. Oui, l'intellectualisme, il y a un monde à. Un intellectuel, il faut appeler à respect la parole. Ben oui. Ma cambo, tout ça, en avis, ce n'est pas l'argent. Si on a vu ce que non, lobby du Kamona, tout ça, on a 17h. Non seulement, il y a eu un an à yéte, et puis on a s'excusé. Donc, ça, vraiment. Et puis, on a oisé. C'est-à-dire, on a bengi pété. C'est oisé, oisé, comme Mikolo, on a eu ce que l'on a dit. Oh, ah ouais, parce que dans la dernière émission, on a eu Moko, moi, je ne peux jamais accepter de réduire jeunesse congolaise. Dans la dernière émission, il y a un peu à l'objet, les jeunes du Congo, il y a 16 ans à 24 ans, ils ont filmé la discussion et ils ont fait la discussion. C'est-à-dire qu'il fallait que la discussion soit télémara dans le coin, ils ont discuté avec moi, JB, Nawera, et Sombi Moutoukaboué. Très sincèrement, j'étais choqué. Or, je suis un cheval de bataille dans la jeunesse. Nous, on a été dans de très bonnes écoles dans la ville. Moi, je suis un protestant, je suis un laïc, je suis une école catholique. Je suis une éducation solide. Et les lots, avec l'éducation, ils ont déjà détruit le Congo. Donc, on a dit qu'on a réduit la jeunesse congolaise. De 16 à 24 ans, il fallait battre les maratines de l'eau dans le coin. Vraiment. Battre les maratines pour discuter avec nous. Un tel a son voiture, son ninda pour mais ce n'est pas un ajouan. Je suis un peu point en gros, samedi. Tant que la jeunesse congolaise a été détruite, l'éducation donc été. Mais si tu as dit bien, bah, musicien, vous avez une part de responsabilité. Voilà. Mais pourquoi je n'ai rien contre Oazé. Franchement, je n'ai rien. Les artistes en Boca, d'ailleurs, n'apprécie trop. Les parmi les artistes au Soiseau de Kana TV, ils ont paqueté Natal avec. Mais depuis le jour où on a. Pas dans la considération. Parce que dans mon cas, ont contribué à la destruction de la jeunesse. Pourquoi réduire la jeunesse de battre les marins à coin bah discuter avec ma camboa. Est-ce que ça a sens? Est-ce que, au long de la jeune n'a pas joué à persévérer, même si les parents ont un bon côté, mouké, au bas au pésaïo, qui est né à l'école, qui est en pico, qui est en pico, qui est en pico,
pour ça l'effort, pour s'en sortir, pour réduire jeunesse. Après, au lobby, aux artistes à Mounena Mboka. Et ta contribution, c'est quoi? Dans le bagage, même ceux qui doivent nous en acquis en octobre, franchement, on s'en est sous réflexion. Et ça a été. Parce que nous sommes à Mounena Mboka, nous avons étudié pour comprendre, chercher pour réussir. Je crois. Il faut que tu aies un étudier pour comprendre, tricher pour réussir. Dès que tu es dans la classe, tu es dans la classe. 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 Non, pourquoi? Est-ce que tu as un message? Alors, ce n'est pas question de la classe contre nous. Non, père, je suis un artiste. Je suis un artiste. Je suis un artiste. Parce que la musique à Kalaya Congo, censure les alarmes à nous. Bato ba yo. Pour un message nous devons faire passer. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est clair. Nous avons des idées d'opinion. C'est clair. Batébé ba narabino, batébé ba zoabino comme exemple. Ça vraiment il faut qu'on se le dise. Les motora sam chito je te fais pas parce que tu es avec moi. En tout cas, yo vraiment tu vas te tiens arrangé ba musicien au fait au finger au ton à yo ko te tcha au fait. Parce que en tout cas, on prend toujours le bon exemple et je tiens à te féliciter. Merci beaucoup. Encore une fois, tu viens de nous le prouver en reprochant à Félix Oise quoi les propos qu'il avait tenus. C'est regrettable. Par rapport à la jeunesse. C'est regrettable. Voilà. Et puis non, donc on appelle internet et comment vous improvisez. Nous sommes autant nous soutenons par Marlène, vous mettez dans vos Kenny dans vos. Nous sommes là à s'improviser n'ayez à comme ça la chronique dans mon internet. Mais soyez nous toujours poser nos questions ça. Réflexion à bon moment. Il faut vous faire réfléchir, rien que non, tu détonnes. Exactement. Vous êtes à côté. Exactement. Et Sopio. Et Sopia. Là, nous sommes en banque, on sera corrigé. Nous sommes en mission à nous en bon côté. Donc, voilà. Sopia, ma case. Et Sopia. Heureusement, moi, Sopia, que ça dit, bisous la paix. Et Sopia, vous êtes quoi dans ma propos? Ah, et Sopia, vous êtes quoi? Ma case. Félix Oise, quoi, Sam, tu t'en l'oublies, ma propos, na yo, et Sopio. Ah ouais. Félix Oise, quoi, la valeur autour de la radio. Na yébide nene, ro défendre en haut. Autant à ma classe et mêlée, voilà Sam, tu vois, ça dit, n'a pas rapporté, cara. Ça dit, à regretter, n'a pas propos au ténèque qui concernant jeunesse. Yom, t'en quoi, Oise, quoi, respect au Pessa, ra yo, ou yom, ma propos à bon côté. Donc, voilà. Et puis, on a poto, bah, tout la kin, car, la tanga, ouais. Bato va dans la cube, bato va dans la photo, bato va dans la cube, bato va dans la cube. Non, Oana Zarana Bisset. Parce que tu as appris, voilà. Tu as vu, c'est-à-dire qu'il faut apporter quelque chose. Parce que moi je ne comprends pas. Un clin d'œil, car même bateau dans le gouvernement, ce sont eux qui contribuent à redéfinir ce mot. Vraiment. Tokani parenthèse. Tokani parenthèse, on te refoule en rond comme ça. Est-ce que Christian met depuis 2001, si je ne me trompe pas, 2001, 2018, vous allez où est-ce que. Bah, il y a pas continuer musique, mais Christian Mbé, vraiment, on ne sait pas. Est-ce que bah, tu as Christian Mbé, Romane Gossala, Aroma Ferris, Nami Kili, est-ce que Christian Mbé, musique et Zaraka? Musique, il faut ça là. Musique, il faut ça parce que c'est passionnant. On a vivre sans musique. On a boyé, on a salé, on a ma musique, bah, et pourquoi on a l'obanin? Parce que c'est un peu je peux pas abandonner. On a salé toujours musique. La pauvre année, j'avais vous montré l'album là, ça c'est Flash. Ça c'est Flash qu'on avait fait avec mon frère Mélan. Mais malheureusement, Mélan, parce que notre producteur, toujours que moi et copier en ce moment, la musique est compliqué. Donc, Bisotogos est là, c'est l'album. Tout ça qui m'a sorti musicien dans le studio, puis c'est là déjà. Mais malheureusement, le producteur n'a pas sorti l'album vraiment comme ça sort normalement un album. Quoi. Et puis, c'est en quelle année? C'était entre 2004 et 2005. Hein. Dans mon cœur, le bonheur est vide, le chagrin est plein. La beauté de la montagne sacrée, Chili Ilombé, la fille du soleil. Macaro d'Anvers, café Sifos. Roger Niwa Kiangana, Adida Kiese,
Toto Matumona, Père Congo Villa, 6 étoiles. Toto Lucan, Patu Batete, Micheline Manissa, Hello. Verviers et Longo Ricardo gâchette facile. Je sais bien que tu n'as pas un frigo à la place de ton cœur, bébé. Limbisa Ngaye, Tomé Seneke, Naina Yona, Bolimwango, Doyo Kanaka, mon côté, la vie soit comme Ebisa. Laisse parler ton cœur, chérie. Sonny Kasso. HM Boutique, Ville les Belles. Pascal Noble, Chico de Piola, Chole Mondone, Papa Manonga, William Nkanku, Chocho Chimbumba. Papi Bella.
Jani MT. Pokélo na Toronto.